Bonjour tout le monde, bienvenue sur Face to Face. Alors voici une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci. C'est une vidéo toujours dans le thème d'Halloween et cette année on a décidé de vous faire des focus. Alors qu'est-ce qu'un focus? C'est vous montrer en vidéo en fait juste un effet spéciaux. Voilà, donc là ça sera cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire une blessure et vous allez voir qu'on va vous en faire d'autres pour ce mois Halloween. Alors comme je vous le disais, je vais vous montrer comment faire une blessure. Je vais essayer de vous montrer la façon la plus simple de la faire. Pour ça il va vous falloir plusieurs produits. Donc tout d'abord il va vous falloir du latex, ça c'est le produit le plus important à avoir parce que c'est ça qui va vous permettre de créer la blessure. Il vous faudra aussi un sèche-cheveux pour faire sécher le latex. Il vous faudra du fard à l'eau noire, mais vous pouvez aussi prendre un gel eyeliner noir ou peu importe ce que vous avez de noir. Si vous avez même du fard à paupières noires, vous pouvez aussi vous en servir à partir du moment où c'est une couleur foncée. Il vous faudra du faux sang et accessoirement du fond de teint et de la poudre. Alors en parlant du latex, sachez que maintenant vous pouvez le trouver dans plusieurs magasins de déguisement, mais vous avez aussi des sites sur internet. Nous on l'a trouvé sur le site ledeguisement.com. Je crois qu'il était pas très très cher. En plus Criolan c'est de très très bonne qualité, c'est une bonne marque, donc vous êtes sûr de faire un très bon choix. Je vais commencer à appliquer le latex. Donc c'est du latex liquide, secouez-le un tout petit peu avant de l'utiliser et surtout, très très important, faites un test avant pour voir si vous n'êtes pas allergique au latex. Donc là j'en verse dans une petite coupelle. Voilà. Alors ce que je vous conseille, c'est d'en remettre au fur et à mesure parce que le latex a tendance à sécher. Donc gardez-le dans la bouteille, quitte à en reverser de temps en temps. Là, je viens prendre une éponge comme celle-ci. Vous en trouvez aussi dans les magasins de déguisement ou sur internet. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une première couche sur mon cou. Alors vous pouvez être surpris un peu par l'odeur parce que le latex a une odeur assez forte, mais c'est tout à fait supportable. Voilà, une fois que j'ai appliqué la première couche, je viens la sécher avec mon sèche-cheveux. Une fois que le latex est sec, il devient tout simplement transparent. Donc une fois la première couche sèche, j'en applique une deuxième couche par-dessus. Je recommence l'opération avec le sèche-cheveux. Faites attention quand vous utilisez le sèche-cheveux de ne pas l'approcher trop près si vous êtes sur la fonction chaude pour pas vous brûler. Donc là j'en suis à la deuxième couche de latex, je vais recommencer l'opération encore deux ou trois fois afin d'avoir une couche assez épaisse de latex. Voilà, donc là j'ai mis six couches de latex. Alors en fait quand on met plusieurs couches de latex, le latex n'est pas vraiment transparent ici au centre parce que la couche est beaucoup plus épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du fond de teint par-dessus pour égaliser un peu la couleur. Donc là vous prenez vraiment le fond de teint qui vous plaît, hein, celui que vous utilisez d'habitude, celui avec lequel par exemple vous êtes maquillé. Et voilà, de suite ça colore le latex et ça disparaît totalement dans le teint. Donc là je me retrouve avec une belle peau de vieille. Alors maintenant je vais faire l'ouverture dans le latex pour créer la blessure. Pour ça je vais prendre un petit ciseau, donc normalement essayez d'en prendre un avec un bourron, histoire de ne pas vous blesser. Là j'ai que ça sous la main donc je vais prendre celui-ci. Donc avec la pointe du ciseau je vais déjà venir tirer sur le latex. Voilà, vous voyez ça commence à venir tout seul, hein. Et là je vais glisser le ciseau petit à petit dans le latex pour ouvrir la plaie. Quand le latex est assez épais, normalement ça vient tout seul. Vraiment allez-y petit à petit pour pas vous blesser, hein. C'est super important. Voilà, là déjà on a un beau petit trou, donc essayez de l'ouvrir un peu comme ça pour avoir un effet de peau. Je dirais même que là c'est peut-être un petit peu trop rectiligne. Du coup, voilà, je vais un peu plus la déchirer. Voilà, donc maintenant on a notre trou dans le latex. Et il ne me reste plus qu'à maquiller la blessure pour lui donner plus de relief et la rendre encore plus réelle. Là, je prends mon fard à l'eau, donc je l'ai mouillé et avec un pinceau, je vais venir maquiller l'intérieur de la blessure pour lui donner de la profondeur. Maintenant, avec le bout des poils de mon pinceau, je vais juste un petit peu tapoter sur le rebord de l'ouverture de la blessure. Voilà, pour pas que la peau soit complètement nette.
Voilà, donc déjà là, ça crée de la profondeur. Je vais maintenant prendre le faux sang de chez Criolan. Donc celui-ci, c'est un faux sang très épais. Je vais en verser un petit peu dans le bouchon. Vous voyez, il est vraiment épais. Hop là. Donc ce faux sang, encore une fois, je l'ai trouvé sur le site ledéguisement.com. Je prends un petit goupillon comme ça, mais si vous n'avez pas de goupillon, vous pouvez prendre une brosse à dents, une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus. Comme il est trop épais, je vais prendre un deuxième faux sang. Celui-ci est beaucoup plus liquide et je vais mélanger les deux. Je fais ma petite mixture. Je retrempe le goupillon. Et maintenant, je vais mettre aussi du faux sang dans la blessure. Bien sûr, quand vous faites ce genre de maquillage, ne mettez pas des vêtements auxquels vous tenez, hein, parce que sinon vous allez les tacher. Et il faut aussi bien sûr que le faux sang dégouline pour donner un aspect plus réel. Et voilà, la plaie finie. Alors après, vous faites vraiment comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez rajouter encore plus de matière ou pas. Voilà, c'est suivant l'effet que vous désirez. Donc soit vous rajoutez plus de sang, soit vous faites plusieurs blessures, plusieurs ouvertures dans la plaie. Et voilà, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie. Et donc en fin de soirée, si vous avez envie d'enlever cette cicatrice, faites un petit peu attention parce que le latex s'accroche pas mal à la peau. Surtout si vous avez un petit peu de duvet en dessous, ça peut vous faire un effet épilation. Et pour l'enlever, ben, rien de plus simple, vous prenez un petit peu d'huile. Alors soit vous prenez de l'huile démaquillante, ou soit vous pouvez prendre aussi de l'huile végétale, comme de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Vous en prenez un tout petit peu sur votre main, et vous glissez vos doigts à l'intérieur de la plaie, et petit à petit, vous massez avec vos doigts pleins d'huile, et le latex se décollera au fur et à mesure très facilement. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ces petites vidéos Halloween qu'on vous prépare avec Emily vous plaisent. Si vous avez des idées de maquillage, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Peut-être qu'on pourrait les refaire dans les tutos. On va aussi vous faire quelques petits maquillages spéciaux pour Instagram, donc rendez-vous sur notre profil Instagram. Je vous mets notre nom juste ici. Et moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Face to Face. Bye bye !